Thank you.
Salut tout le monde, salut à tous. Il est pile l'heure, c'est extraordinaire. Nous sommes de plus en plus précis comme le tempo. Le truc des musiciens, vous savez, la musique, c'est l'art du temps. Et la peinture, c'est l'art de l'espace. Mais des fois, on se mêle aussi d'espace dans la musique et du temps dans la peinture. Ah bon, ça c'est un grand sujet philosophique. On verra, enfin artistique en tout cas. En tout cas, bienvenue à tout le monde. On est, on retrouve quand même la bande là, ça, quand, hein, Jazz Peter, Laurent Houtan, Clément depuis le premier direct. Bravo Clément, une médaille de fidélisation pour Clément. Patrick, alors il faut que je vous dise que Patrick vient de nous faire une super transcription du numéro 21, je crois, en français. Alors là, il a fait un boulot d'orfèvre. Il faut savoir que c'est hyper long à faire. Et j'attends de collaborer aussi avec Pierre, avec Young Jazz Peter, et Denis, qui sont en train d'arriver. Alors, ça fait une équipe sympa, ça fait du bien, on se sent moins seul, on a des gens qui vous accompagnent. Merci à tous les trois, et on va faire du bon boulot, on va traduire tout ça, parce qu'il faut mettre le texte au propre en français. Et puis, quand vous avez des cours sur mon site, activez les sous-titres, en français, parce que dès que ça parle d'harmonie et de choses techniques, c'est quand même beaucoup plus clair pour comprendre que si vous avez que la voix. Donc voilà, évidemment, les sous-titres aident à comprendre dès que ça devient technique, y compris en français. Et puis si vous voulez travailler votre anglais, vous mettez les sous-titres en anglais. Et je sais que nos amis qui parlent anglais ou qui sont américains ou anglophones, mettre les sous-titres en français pour travailler en même temps leur français. Voilà, je fais ça aussi quand je veux travailler l'anglais, je mets les sous-titres en anglais, c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, on prend beaucoup de temps à faire les sous-titres, à corriger, à faire que ça soit bien écrit en français, que ça pique pas les yeux, à mettre les négations qu'on oublie quand je parle, j'oublie souvent les négations. Et ma foi, ça devient de plus en plus clair quand on a l'écrit associé à la parole et au piano. Voilà, c'est le but, c'est de rendre les choses claires. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai refait une partition à télécharger, c'est la page numéro 5 de mon nouveau cours sur les feuilles mortes, où il y a une walking bass. J'aborde le sujet de la walking bass, parce que c'est quand même ce que je mets dans la description, c'est quand même un truc super important. C'est drôle parce que ça a commencé, si vous voulez, avec des basses à vent. C'était des basses à half-time, c'est-à-dire des noirs soupirs, sur un tempo de blanche, donc deux notes par mesure à quatre temps, et on lançait le foxtrot par-dessus, et le gars, il pouvait jouer parce qu'il pouvait respirer. Pom, 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 oui. Tandis que s'il avait dû faire... Alors petit à petit, il s'est mis à faire les quatre temps, parce qu'il s'apercevait que ça mettait encore plus d'enthousiasme dans la danse. Il mettait de plus en plus de notes, mais il fallait quand même qu'il respire. Donc il y avait des interruptions, parce que moi je suis pour, vous savez, l'espace, je le disais tout à l'heure, est très important. Mais... Arrive la contrebasse à cordes. Alors au début, on n'entend rien, il n'y a pas d'ampli. Le gars, il joue beaucoup les cordes à vide, il tire comme un fou là-dessus, et il a un gros son, et même jusqu'à tard. Regardez, écoutez Charles Mingus jouer de la contrebasse, il tire les cordes comme un cinglé, mais il doit avoir des énormes cornes sur les doigts. Je ne sais pas si vous avez essayé la contrebasse, mais c'est terrible physiquement. Et arrive la contrebasse avec les super virtuoses, arrive l'amplification, l'ampli, la cellule, le micro d'abord, puis la cellule, et on a des virtuoses incroyables, genre Eddie Gomez, et avant ça, Scott Lafaro.
qui sont d'incroyables virtuoses de la contrebasse. On baisse un peu les cordes sur la touche, on se fait moins mal, on tire moins, et on a un joli son amplifié, on est plus à l'aise, et on peut remplacer le trio piano-guitare-contrebasse par piano-batterie-contrebasse. Et puisque la batterie développe un son beaucoup plus fort, on peut amplifier la contrebasse et même le piano, et à la fin on amplifie tout. D'ailleurs, c'est un peu dommage, c'est quand même mieux en acoustique. Voilà donc pour l'histoire, vous voyez, du son et de comment les basses ont évolué de half-time, donc deux notes par mesure, à full-time, quatre croches, toutes. Alors c'est la walking bass. Alors on a une connexion avec ça dans l'histoire qui est intéressante. Vous savez que dans les années 10, 20, il y avait des camp meetings. La nuit, dans la forêt, les Blancs avaient le droit de se mélanger aux Noirs et ils dansaient autour d'un grand feu collectif. Il y avait des percussions africaines et ils rentraient en transe. Hein, c'était... Et alors, ils se tenaient par les mains et ils reculaient en frottant le sol. Tous reculaient, le grand cercle s'agrandissait, et après ils repartaient dans l'autre sens, et ça s'appelait le shuffle. Le shuffle, ça consistait à frotter le sol avec ses pieds, souvent les pieds nus, et se rapprocher du feu, et pendant qu'à côté, il y en avait un avec les yeux tout blancs, qui rentrait en transe, et ça dansait, c'était l'Afrique, c'est l'origine, effectivement, de la transe qu'on a dans le jazz, du rythme, des percussions, des tambours, du côté continu du rythme. Cette tradition de shuffle est venue se mettre dans le walking, dans la walking bass qui fait les quatre temps, parce que quand vous marchez dans la rue, des talons, surtout les femmes, quand elles marchent dans la rue, on entend un très joli shuffle, ça fait... Vous voyez, c'est le shuffle, la pointe du talon tape sur le macadam. Alors quand vous êtes à côté de ça, c'est exactement ça. La contrebasse, hein. Comme je le dis dans la description, nous autres pianistes, nous sommes les coucous, on pond nos œufs dans le nid des autres. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on joue ici? On imite les chanteurs, on a occupé le nid des chanteurs. Ici, on occupe le nid des guitaristes, évidemment, et à la main gauche, on squatte le nid des contrebassistes. Que font les contrebassistes? Si vous les étudiez bien, c'est assez caractéristique quand ils font, j'adore ça, quand ils font les trois cordes, vous voyez, tout-tout-tout-tout, 1, 2, 3, 4, ils font les trois premières cordes en les étouffant un peu, tout-tout-tout-tout. Il tombe sur des fois une corde à vide ou des fois une corde qui sonne. Et ça fait ça. Vous voyez ? Et après, ils font aussi, avec le... ils font le shuffle. Et puis, ils ont un troisième truc. Ils font des dixièmes très facilement en faisant sonner les deux cordes. Je vois venir tout de suite les petites mains, pas de problème, on met la pédale. Faut viser juste, hein, c'est pas le matin à 10h. Hein, pourtant un café normalement, hein, ça réveille. Mais on peut, avec ces trois outils, commencer à ressembler à un jeu de contrebasse. Après, ce qu'il faut, c'est un joli phrasé. La contrebasse, un bon contrebassiste, c'est jouer legato, très legato. Il n'y a pas d'interruption du son. C'est là que... Et le son doit durer le plus longtemps possible. C'est comme un piano. Moi, je choisis un piano parce que le son dure très longtemps. Le release
le relâchement est très très long, ça descend doucement. Et aussi parce que on entend les harmoniques. Bon, alors là, j'entends c'est là. On entend ça derrière, vous voyez, c'est la richesse du timbre. Un jour, je ferai venir mon accordeur de piano favori, qui est Pascal Aubin, qui habite là, pas très loin d'ici, à Louviers. Et on parlera piano, on va causer piano, parce que c'est quand même un univers totalement fou. Ça fait plusieurs siècles que c'est mis au point. Et vous allez voir, c'est une histoire de incroyable comment c'est réglé, comment c'est foutu, et puis il y a des marques différentes. Bon, on parlera de tout ça avec un accordeur qui connaît bien l'histoire. Ça me ferait plaisir d'inviter Pascal, qui règle mon piano depuis 30, 40 ans, je ne sais plus compter maintenant. Donc, excellent accordeur de piano qui a été formé, le dernier à avoir été formé chez Bösendorfer. Voilà, donc pour ce qui est du tenuto, c'est-à-dire de la longueur de son, c'est comme la longueur en bouche d'un verre de vin, un piano doit durer longtemps avant de s'effacer, de disparaître. Et un contrebassiste aussi, plus le son est long, plus ça s'approche de l'orgue, plus c'est appréciable. Et en plus, quand il change de note, on ne doit pas entendre d'interruption. C'est pour ça que l'orgue à la pédale, l'orgue joué à la pédale, c'est extraordinaire. Ça donne un swing complètement fou parce qu'il n'y a pas le son là. Par contre, il ne descend jamais avec l'orgue, sauf si vous éteignez l'électricité. Bon, mais ça serait un mauvais goût. Voilà. Pourquoi impromptu dit c'est chouette ça comme métier? C'est quoi qui est chouette comme métier impromptu? Bon, il y en a plein des métiers chouettes, mais précise qu'on rigole avec toi. Bon, alors écoute, aujourd'hui, je vous ai encore mis une partition à imprimer en PDF. Vous avez le temps d'y aller, le temps que je blablate un peu. Et après, on va regarder ça. C'est une walking niveau intermédiaire 1. Pour commencer à rentrer dans le sujet. Donc, il faut deux choses, le sustain, le son, le phrasé, et aussi un tempo d'acier, un tempo, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que les gens vont danser dans le jazz, et vous ne voulez pas que les danseurs se cassent la figure parce que vous avez modifié le tempo, vous avez trop accéléré ou trop ralenti. En général, ça accélère. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on... Et puis, c'est le tempo de la marche. Quand vous marchez, vous êtes en randonnée, vous êtes dans la rue, vous êtes... Je ne sais pas si ça vous le fait, moi, je pense que ça le fait à tout le monde. On se prend un tempo, quoi. Ça ne bouge pas, quoi. On marche. Le cœur adore ça, le cerveau adore ça, on irrigue tout. Il faut marcher beaucoup. Et quand on fait... du jazz et de la walking et tout ça, on marche, on danse dans sa tête. Je vous l'ai dit, hein, mais pour faire un bon jazzman, prenez deux ingrédients. Le danseur, le griot. Alors le danseur, il est là parce qu'on est en train de jouer, mais dans sa tête, on danse. Et le griot, c'est celui qui sait raconter une histoire. Pour moi, le roi des griots, c'est Miles Davis. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Joe Zawinul aussi. Enfin, vous voyez, c'est une histoire de danser et de raconter quelque chose. C'est ça, l'origine africaine. Et là-dessus se greffe la transe, parce que quand ça danse longtemps, la nuit autour du feu de camp, avec les tambours, ça y est, c'est parti, les yeux blancs, la transe. Bien. Alors, merci Donatos, mettez des pouces. Effectivement, on a besoin de pouces pour faire connaître ces vidéos, ce samedi du jazz. Et puis, voilà, je suis en train de préciser mon envie concernant les webinaires. J'ai pensé qu'il y aurait une approche intéressante. Je présente depuis maintenant 24 numéros, c'est le numéro 24, un tas de choses, les accords diminués, les notes communes, les renversements, là c'est la walking, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et donc vous comprenez très très bien tout ça, c'est assez clair finalement de comprendre qu'on renverse un accord comme ça, comme ça, comme ça, on pige.
Mais après, comment on fait au piano? Faut l'appliquer, comment le travailler? Comment le faire rentrer dans la pratique instrumentale et dans son improvisation? Et ça va être ça, le thème des webinaires, ça va être des séances de coaching où ensemble, je vous guide et je vous montre comment appliquer ça au piano. Vous aurez déjà compris le principe et maintenant, faut l'appliquer. Et vous savez que de la théorie à la pratique, il y a quand même un gap. Ça fait chic, ouais. Ça prend un peu de temps à incarner l'idée dans les gestes, dans le corps, pour après le mémoriser par la mémoire neuromusculaire et pouvoir jouer avec, être libre d'improviser avec. Encore une fois, je le répète, toujours jouer le piano, la musique, avec le temps, pas contre le temps. Y a un proverbe qui dit « il ne faut pas aller plus vite que la musique ». C'est vrai qu'on peut le comprendre dans ce sens-là, ça prend du temps. Et deuxième principe que je rappelle à chaque fois, c'est plus lent vous commencez, plus vous pouvez gérer et mettre en place de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser au début. Et plus lent vous travaillez, mais même jusqu'à l'extrême, plus vous irez loin après. Vous avez l'impression de perdre du temps au début. Et non, vous allez en gagner énormément quand vous allez tout d'un coup monter le tempo complètement, quoi. Donc si ça résiste, prenez tout le temps de le faire au métronome super lent. I love playing with my metronome, my pocket drummer. Alors, écoutez, je vais justement le solliciter parce que je vais vous jouer la première page là, de la walking du jour, of the day. On va faire quoi? J'ai envie d'un petit tempo comme ça. C'est un peu vite, un 55. Ça, c'est pas mal. Non, c'est un peu lent. 56. Ah ouais, c'est pas mal ça. À 57, allez. Ah ouais, vous avez, moi je suis un fou furieux, moi, du tempo. J'adore. C'est comme régler la température d'un bon vin, ou je sais pas, moi, le temps que vous mettez le sachet de thé à infuser. Ah, c'est le plaisir de la vie, vous voyez, c'est pas contraignant, c'est un jeu. Et mais là, on sent que. Alors on y va, je vous fais la walking toute seule. Je refais B, le dernier système. Et 1, 2, vous voyez, ça me fait marrer parce que quand je regarde ce que j'ai écrit là, cette formule-là, c'est une des favorites de Ron Carter, qui est mon contrebassiste favori. Ron Carter, c'est vraiment extraordinaire. C'est le swing le plus abouti que je connaisse dans la walking bass et dans l'inventivité. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Alors, on ne va pas tous les énumérer ici. On va regarder ça. À la main droite, j'ai mis des accords de guitare ou des accords à trois sons, rootless, sans la fondamentale, puisque justement, c'est la contrebasse qui s'en charge. Donc, pour un Do mineur 7 de... j'utilise la septième, la tierce et la quinte, ça me suffit. Ensuite, je fais ça pour Fa7. La tierce, la septième, la neuvième. Et je fais la même chose, mais en Si bémol majeur. Un cran plus bas, mais en respectant les altérations. Mais là, il n'y a pas la quinte, par exemple, sur le Mi bémol majeur 7, mesure 4. Dernière mesure de la ligne. Voilà.
là. Vous avez un La mineur 7 bémol 5. Ouah, l'horreur. Il y a un dessin très drôle d'une vieille dame sur une guitare qui fait ouah, La mineur 7 bémol 5. Elle est complètement effrayée. Mais il y a de quoi, c'est effrayant. Alors, ensuite, Ré 7 avec la 9e dièse. Au lieu que ça soit mi, c'est mi dièse. La 9e poussée un petit peu vers le haut, vers la blues note en fait. Hein. C'est pour ça que ça sonne très jazz, ce Ré 7 plus, j'aurais dû mettre le petit plus d'ailleurs. Et un G mineur 7, en fait il n'est pas 7, il est 2, il n'y a pas de 7e, et par contre il y a la seconde, la si ré. Normalement j'aurais dû mettre G mineur 2, allez, on va corriger la prochaine fois. Ensuite, pour relancer, un Sol 7 plus 5, alors on peut l'appeler plus 5, mais on peut l'appeler ou mineur bémol 13. C'est une enharmonie, en fait. Hein, ça dépend d'où vient le vent. Hein, vous savez, c'est relativement à la tête du client, quoi. Hein. Alors, mais l'essentiel, c'est de faire un sol 7 qui relance le premier accord. D'accord ? Et puis, pour l'encadrer de 2, on arrive sur un sol... qu'est-ce que je fais ? Un sol, un vrai sol mineur 7, là il y a le fa, différencier l'accord pour savoir qu'on va aller vers le pont. Hein. Faut pas faire la même fin du deuxième A que du premier A, parce que quand on joue, on sait plus s'il y a le pont à cet endroit-là ou pas. Ça c'est ma spécialité, des fois je fais un sol A ou j'en fais trois. Je suis tellement pris dans l'improvisation, alors ça se travaille, mais ça c'est difficile pour moi. Alors, et là, et on fait une petite six majeure, sol mineur 6, c'est l'accord de Summertime. Vous voyez ? C'est agréable, c'est très doux comme sonorité. La sixte, la tierce et la fonda. Hein ? Alors, Laurent, tu prends la basse sol et tu vas chercher ça en gardant la pédale. Tu changes de pédale, tu prends le la, tu la remets. Tu vas chercher le fa, pas besoin d'une grande main. Hein. Sinon, tu vas acheter la rallonge chez Bricomarché, ils font des promos en ce moment. Il y a moyen. Alors, écoute, on va peut-être maintenant un petit peu... je vous le rejoue avec les accords d'en haut, peut-être. Alors, on reprend. Alors, vous avez vu que je mets le métronome sur 2 et 4. Comment je fais ? On m'a demandé, c'est vrai, comment je fais ? 2, 4, 2... 4, il suffit que je compte les temps où il n'y a rien en mettant 1, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est magique, mon. Oh, c'est magique. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Il y a beaucoup de petits détails qui font qu'on commence à sentir le jeu du contrebassiste. D'abord, j'ai tendance, par moment, pas tout le temps, mais à mettre un tout petit peu plus d'accent, d'emphase sur l'after, sur le 2 et le 4. Do, ré, mi, mi, do, di, do, et alors éventuellement, là, la double, pac, presque un slap. Pas toujours, mais de temps en temps, c'est bien... Et là, quand je fais ça, pourquoi ? Parce que le La ici, c'est la corde à vide des contrebassistes. Et quand ils jouent des cordes à vide, ils sont super contents. Ils mettent un énorme accent, ils la jouent en l'air juste avant la mesure d'après. Waouh, c'est chic, ça crée une distorsion. Donc c'est sympa de se rapprocher aussi de l'esprit, toujours dans l'esprit du coucou, vous voyez, de l'esprit des contrebassistes. Parce que le piano est un orchestre, un pianiste c'est un homme orchestre. Accent. Et là, on les staccato un peu. Si je veux faire... Parce qu'ils étouffent un peu les trois accords.
Et pas presser, pas faire tout, pas faire ça, parce que le 3-4 à la main gauche, il est souvent moins travaillé, il va tomber de l'assiette au beurre. Donc il faut un petit peu contrôler ça. Et on peut aussi accentuer la troisième, le shuffle. Et là, on va ronronner quand on fait des chromatismes dans le bas de la contrebasse. C'est ce que je disais tout à l'heure, un legato comme un orgue, vous voyez. Parce que alors là, on n'y croit plus. C'est un tue-l'amour de jouer détaché dans une walking bass. Alors que ça marche tellement bien dans Jean-Sébastien Bach. Mais c'est peut-être la langue, il parlait allemand, lui, je pense. Alors, legato, et attention. Là, j'ai fait mon shuffle avec un accent de type Hiroshima, vous voyez. J'ai vraiment fait le bassiste convaincant. Hein. Et là, je ronronne dans le bas. Et Rand Carter, il met l'accent sur un... Ça swing, ça, ce truc. Ben, voyons, aujourd'hui... Alors, oui, on a tous les ingrédients. Ça, j'ai parlé des accents, des phrasés, du legato. Alors, évidemment... en mettant le métronome, vous entendez que je suis dans une dynamique très régulière grâce au métronome. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et alors je peux jouer devant le métronome. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Je caricature. Je vais le faire maintenant moins caricaturé, mais c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Avec que les blanches, ça va être difficile de vous faire entendre devant, derrière. Alors vous voyez ce que je vais faire, je vais le mettre à 100 à la noire. Et là, à 100 à la noire, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, maintenant c'est à la noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le truc à rectifier, c'est le truc à corriger quand on fait une walking. Maintenant, je vais jouer dessus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et ça presse pas, je suis calme. Et quand on fait une syncope, on la marque. Sur les tics. En l'air. Là, ça danse. Vous voyez, ça en donne envie de danser, de bouger, parce que tout d'un coup, quand on est régulier, allez, le danseur apparaît. Et là, c'est le bonheur. On a tous envie de taper du pied. Et c'est quand même la base du jazz, de ce jazz-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de formes de jazz. Mais celui-là, il swing et c'est voulu. Ensuite, on pourrait aborder maintenant... je crois qu'il faut que je relance une caméra. Attention, c'est parti. Toujours mon éternel truc de caméra. Voilà. Non, pas du tout. Oui, le carré, c'est... Ah bah, petite interruption, tu mets l'image, tu sais, du clavier, là, en bas. Voilà. Ah, comme ça, je peux vous raconter des trucs et essayer de faire fonctionner mon appareil. Alors, mon appareil a remis un petit carré pour faire le point. Et il ne veut pas le retirer. Qu'est-ce que je fais? Je le bricole. Mais il va falloir que je passe bientôt à autre chose. Alors après, je vais vous parler justement de comment on fabrique les lignes. Parce que ça, les lignes, c'est un truc qui est hérité de la tradition classique, de la façon dont... dont on gérait le contrepoint, l'harmonie, ça a affaire à toutes ces lois un petit peu, alors qu'on
qu'on comprend, hein, c'est pas hyper compliqué. Par contre, c'est toujours pareil, c'est plus difficile à réaliser. Alors, bah ouais, je vais vous faire faire un petit exercice, comme ça on anticipe sur un webinaire à venir. Pour aller de Do à Fa, là j'ai utilisé une solution. Do, Ré, Mi, Mi, Fa. Donc j'ai quatre notes. Et vous avez vu d'abord que chaque début de mesure joue pour l'instant la note fondamentale de l'accord. Quand j'ai Do mineur 7 mesure 1, je suis sur un Do. Quand j'ai la deuxième mesure un Fa 7, je suis sur un Fa à la basse. Troisième mesure, c'est Si bémol majeur 7, je suis sur Si bémol, hein, etc. Mi bémol, La, Ré, Sol, Sol. Donc à chaque fois, je m'arrange dans un premier temps, parce que vous verrez que ça peut évoluer, je m'arrange pour mettre la fonda de l'accord prévu au début de chaque mesure. Donc le jeu, c'est comment je rejoins Do à Fa en quatre notes. Oh, bip, bip, c'est le moment de gagner un week-end au Sunset. Alors bon, bah, vous avez un espèce de catalogue de solutions. Et c'est le principe même du contrepoint, c'est quand on vous dit, voilà, il y a une règle, et maintenant, comment vous allez trouver des solutions? Allez-y, cherchez plein de solutions différentes. C'est pour développer l'imagination et le savoir-faire, pour éviter de rester juste dans un petit chemin, dans une ornière. Voilà, c'est ça le principe. Donc, pour aller de Do à Fa, moi, j'ai proposé ça, Do, Ré, Mi, Mi, Fa. Mais alors, si vous avez trouvé, par exemple, Do, Si, La, Sol, Fa, ça fait le même effet. Je peux faire Do, Sol, Do, Sol bémol, Fa. Je peux faire Do, Sol, Mi, Do, Fa. J'en suis qu'à 5%. Il y a plein de solutions pour aller de Do à Fa. Donc vous prenez un cahier de musique et vous les écrivez et vous les jouez pour rigoler, pour voilà, vous inventer des trucs. Alors attention, la règle, c'est qu'on peut faire des intervalles disjoints comme ça, c'est-à-dire des notes qui ne sont pas côte à côte, maximum un ton, c'est-à-dire deux demi-tons. On peut sauter sur les notes, j'en ai parlé, des notes réelles de l'accord. Et ça, c'est que des Do, des Mi bémol et des Sol. Donc Sol, Mi bémol, Do, Sol, Mi, Sol, Si, pas Si, Do, 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 Mi, Sol, Sol, Do, Mi, Sol, Mi. Alors normalement, il n'y a pas de Mi bémol sur les contrebasses à quatre cordes, on est d'accord. Peu importe, on est au piano. Mais donc, je peux faire Do, Sol, Do. D'ailleurs, vous vous souvenez de ça, je ne sais pas pourquoi, ça vient de surgir dans mon cerveau de 10h du matin un samedi. Si vous écoutez les basses, elles sont incroyablement proches des règles de l'harmonie et du contrepoint traditionnel. Mais il y a des petits malins qui ont commencé à, évidemment, mettre de plus en plus de choses dedans, et c'est devenu complètement fou, quoi. C'est sublime. Les lignes de basse, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on a trouvé, là, 3, 4, 5 solutions, vous en avez trouvé d'autres, mais on dit que la règle, c'est dès qu'il y a un intervalle disjoint, on tape sur les notes de l'accord de base. On est en Do mineur 7, donc Do, Mi bémol, Sol, 1, 3, 5, accord de base, on a déjà vu ça. Je vous le ferai travailler dans un webinaire à venir au piano. Ensuite, si on veut faire, sur le temps fort, j'ai une note réelle, Do, et je passe par un Ré conjointement, c'est une note étrangère, c'est une note qui ne fait pas partie de l'accord, et j'arrive sur Mi bémol, note réelle, d'accord? Je peux faire encore une note chromatique de passage avant d'aller sur Fa. Quand je suis conjoint comme ça, ça sonne très naturel. Et là, pour aller au Sol, de Fa à Sol, j'utilise un chromatisme Fa dièse, Sol, la tierce, et là j'ai un intervalle disjoint qui va sauter carrément, redescendre d'une sixte mineure sur la tierce de Si bémol, donc la note réelle, et je fais carrément la quinte, la fonda, donc la la troisième mesure, B bémol majeur 7, ne fait que des notes réelles de l'accord majeur parfaite, Si bémol, il n'y a même pas la septième.
et je recommence sur mi bémol, dans un autre sens. Et j'ai là en l'air, en anticipation, n'empêche que j'ai fait deux mesures sur les accords parfaits et ça marche. Mais attention, pas dans le même sens. Là, c'est une loi encore importante. On ne répète pas les figures, ou alors maximum deux, voire trois fois, mais là, ça commence à être lourd. On ne répète pas, on invente toujours des figures différentes. Donc si j'ai un exercice encore de contrepoint, si je suis en si bémol majeur 7 et que je fais des notes de l'accord, et que j'arrive en mi bémol et je vais encore faire des notes de l'accord, bah, je fais une autre formule. Vous voyez, je vais inventer tout le temps des nouveautés. Bah, sinon, on s'ennuie. Hein. Il faut que le contrebassiste se régale lui aussi. Alors là, je recommence conjointe, conjoint, 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 et hop, on recommence. Je fais les notes disjointes, mais de l'accord de sol mineur, et conjoint, conjoint chromatique. Et là, à nouveau, des notes de l'accord. Ré, sol, c'est 1, 5, 1. Et là, je passe par un ré bémol, qui est la substitution tritonique du sol 7 pour aller au do. Vous avez quasiment tous les éléments maintenant, là, dans, harmoniquement dans ce truc, dans ce début, pour fabriquer des tonnes de solutions à la contrebasse. J'ai dans la dernière ligne, la deuxième mesure du B, un truc comme ça sur lequel j'ai accroché tout à l'heure. En fait, c'est drôle, j'ai accroché parce que le réflexe, c'est « Ah non, faut pas jouer mi bémol, c'est pas la contrebasse s'arrête au mi. » Évidemment, je suis au piano, j'avais oublié. Donc en fait, oui, on peut regarder. Ça ronronne dans le grave, c'est l'avantage du piano. Alors il ne faut pas jouer fort, il faut jouer très legato, et ça fait ça. Donc là, je fais une entorse à la règle sur cette mesure, donc la deuxième du pont. Ré, c'est la 1, la quinte, et ça c'est quoi? C'est la 9e B, hein, la 9e mineure, en bas. Donc j'ai fait une échappée. On a tout prévu. C'est-à-dire que quand on ne fait pas la règle, ben bon, on fait une échappée. Tout va bien. En fait, quand ça sonne bien, on dit, bon, ben, faut reconnaître que ça sonne, donc on va dire que c'est une échappée. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ce mi bémol, bon, il ne fait normalement pas partie de l'arpège de Ré 7, qui serait Ré, Fa dièse, La. Mais Do, Mi, et mais en fait, c'est... ces blues notes dans cet accord-là. Donc, on peut faire... On peut aussi passer par... On peut passer par tous les demi-tons supérieurs de chaque accord, mais si vous le faites systématiquement, ça barbe. Je vais vous le montrer. Je fais la même... espèce de mécanisation du truc. Là, il y a une répétition. Bon, tout d'un coup, l'enthousiasme diminue, quoi. Les potards prennent moins 10. Voilà. Il faut essayer de garder l'intérêt. L'intérêt dans les petites choses, l'invention. Donc, avec tous ces éléments, c'est-à-dire débriefons. On reste dans le chapitre harmonie et ligne mélodique, parce que ça sera valable pour l'improvisation, hein, pour la main droite aussi. On peut faire n'importe quelle ligne, tant que c'est conjoint, on peut se balader tout ce qu'on veut, mais quand on commence à faire des intervalles disjoints, il faut récupérer l'accord de base, tant qu'à faire. Sinon, l'oreille ne sait plus trop où on est, mais c'est aussi intéressant, on verra ça plus tard. Donc le conjoint, on fait ce qu'on veut. Le disjoint, on reste dans l'accord, dans l'harmonie. On met des shuffles. De temps en temps, on fait les trois cordes. On fait ronronner tout ça, bien les gâteaux, surtout dans le grave. Piano, comme un chat qui avance dans le noir, vous voyez. C'est de la panthère noire. C'est de la panthère rose aussi. Vous êtes dans une maison à la campagne et tout d'un coup, le plancher, il n'y a personne, vous êtes isolé dans la forêt, dans les territoires. Et vous entendez tout d'un coup une latte de parquet qui craque au deuxième étage et c'est la panique. Je ne suis plus tout seul.
là, la panthère est là. Elle commence à descendre les escaliers. C'est ça le scénario. Bon, vous savez, quand on veut interpréter en musique, on se fabrique un film, hein. On se fait un scénario, on est parti dans un film. Personne n'ira vérifier, c'est un métalangage. Pose aucun problème. Hein. Moi, quand je joue ça, je suis dans la forêt, il y a un lac complètement calme, c'est clair de lune. Le soir, grand, un lac, un étang, un grand étang dans la forêt. Une feuille tombe. Une autre. C'est calme. Ça, c'est Debussy, Claude Debussy, l'impressionniste, Claude Debussy, les reflets dans l'eau. Le film que vous pouvez vous faire là-dessus avec un étang, la forêt, la feuille qui tombe, plic, et les rayons, les ondes qui s'élargissent dans l'eau, ça donne envie de jouer. Mais il faut bien connaître son texte. Tout est là. Une fois, c'est comme un acteur, hein, un comédien, il apprend bien son texte par cœur, après il peut donner tout ce qu'il a, après il peut imaginer, alors, sauf que lui, il colle au texte. Le comédien, il est dans la situation, dans le personnage. Le musicien, il peut aussi incarner quelque chose, mais c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc, une walking bass dans le grave qui ronronne, moi, je vois un danseur, mais je vois aussi une panthère noire, vous voyez, qui avance comme ça, pas de velours, et qui fait, s'il ne faut pas jouer fort, il ne faut pas jouer... c'est pas beau, il faut jouer... Avec des accents... c'est plus intéressant et ça laisse de l'espace pour la main droite pour jouer. Qui connaissent l'album ont reconnu le début du chorus de Miles Davis dans cet album que j'avais dont j'avais décortiqué le solo de Julian Cannonball Adderley dans Love for Sale. Ça, c'est la version de Summertime et c'est Miles qui ouvre son chorus comme ça en étageant les superstructures. À chaque grille, il travaille sur une nouvelle note de la superstructure, les notes cibles. J'en ai beaucoup parlé, j'en reparlerai encore. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le mix entre la main gauche qui ronronne dans le bas et la trompette qui a un son clair. Donc j'ai une main droite beaucoup plus sonore et une main gauche en velours, beaucoup plus discrète. Et ça permet d'avoir beaucoup de dynamique à droite, d'avoir des notes très, très douces. On les entend parce que la main droite, la contrebasse, n'a pas mis son ampli à fond. Donc nous, quand on est au piano, si on est l'homme orchestre, bah, on est notre propre chef d'orchestre. Alors on mixe, on dit aux basses, tranquille, moins fort. Laissez le chanteur ou la chanteuse s'exprimer devant de manière claire. Et elle peut jouer piano, mais on l'entend quand même. Et de temps en temps, vous manifestez un accent. Ça ne va pas gêner, ça va relancer le swing et redonner au soliste une idée. Mais comme c'est vous qui faites tous les rôles, ma foi, servez-vous de votre main gauche pour inspirer votre main droite. Et vice-versa. La gauche doit toujours dépendre de ce que fait la droite. C'est pour ça que travailler des accords statiques comme ça, c'est bien. Mais après, il va falloir les placer d'une manière en fonction de ce que fait la main droite, pas systématique. Là, on est dans un truc volume 2, voire 3, voire 4. On est dans niveau avancé. On ne fait pas de...
On ne fait pas de main gauche qui bourrine et qui est systématique. Ça tue, ça tue l'amour, ça tue l'espace, ça tue... Il n'y a plus de dialogue entre gauche et droite. Il faut répartir entre gauche et droite. Et je vous raconterai ça aussi. Il y a moyen, et c'est, Peterson le fait très bien, de faire en sorte qu'on ne joue pas toujours la même chose à gauche pour accompagner la droite. Par exemple... à la fin. N'oubliez pas de transposer. Transposing is life, it's memory. Vous voulez mémoriser des trucs que vous aimez bien, vous cochez dans la partition, vous relevez dans un enregistrement, vous inventez un truc, mémorisez-le en le transposant. Voilà, vous partez dans d'autres tonalités. Alors, donc on fait l'imbécile au clavier, c'est excellent, impromptu, ouais, c'est tout à fait, félin, bécile. C'est un joli prénom, bécile, pour un félin. Écoute, l'idéal est de ne plus penser à sa main gauche pour l'impro. Ah non, Don, on y pense, mais elle répond. C'est un interlocuteur. On rebalance les choses dans le bon sens. On fait en sorte que les deux mains dialoguent, que ce soit agréable, que ce soit social, qu'il y ait un à-propos. «
chaque fois ça répond. C'est du trombone, c'est du big band. C'est, bah, mais ça permet à la main droite de respirer, parce que si je vous joue vous allez faire oh là là c'est super bien là, ouais. Mais non, c'est du bourrage là, il n'y a pas de paragraphe, pas de ligne, pas de point, ça veut rien dire, il n'y a pas de sens, c'est des notes, des notes, des notes, et je te montre comment j'en fais le plus possible, le plus fort possible, c'est moi qui est la plus grosse, moi ça m'emmerde, bon, j'ai donné, quand on a 15 ans, on aime bien, à 20 ans dans les clubs, on aime bien, on en met partout, c'est cool, c'est... Voilà, on a besoin de la performance, du challenge. Et petit à petit, on mûrit, c'est comme le vin, vous voyez. Et on arrive finalement à penser que c'est plus intéressant l'espace, la conversation, l'équilibre des deux mains, l'émotion qui passe. Et le silence, encore une fois, ma référence là-dedans, c'est Miles, il n'y a rien à faire. Il a tout compris, c'est pour ça qu'on l'appelait le sorcier, the sorcerer. Donc vous avez le danseur, vous avez le conteur, lui, il savait bien faire. Et maintenant, vous avez le sorcier. Avec ça, vous allez passer un bon week-end, je vous le garantis. Alors, Don, il dit qu'avec 6 heures par jour, tu peux y arriver. Alors, ben, moi, je suis pas sûr que... De temps en temps, faire un petit coup de 6 heures, c'est sympa, mais ça peut être fatal aussi, parce que pour tenir 6 heures, il faut être quand même un peu pro. Hein. Moi, je pense que 20 minutes bien faites... Billes en tête sur les trucs les plus durs à régler, comme je disais la dernière fois, vont donner un super résultat. 20 minutes par jour, vraiment bien fait, tous les jours, sans en rater un, voire deux fois 20 minutes, vous allez vraiment avancer. Si vous acceptez de prendre le temps qu'il faut pour le faire. Là d'accord. Oui, bah oui, V-Bike, ça donne envie de faire pareil. Bah, de toute façon... Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand un contrebassiste chorus, ne lui faites pas une walking bass, parce que vos fréquences vont se mélanger aux siennes, on ne comprend plus rien, ça fait de la bouillie. Donc, dès qu'on joue avec un contrebassiste, il faut accompagner très light, très léger. Alors, quand le bassiste se met à phraser comme ça, laisser un espace pour que vous répondiez, c'est un bonheur. Mais quand le bassiste fait en continu, vous faites quoi là? Les monologues, c'est moins puissant, c'est impressionnant techniquement. Point. Mais impressionner, c'est pas le but, c'est émouvoir le but. Et un monologue, c'est pareil, un saxophoniste dans les bofs, dans les clubs, vous avez des mecs qui arrivent au sax, ils envoient, ils font une démo. La démo, elle n'est pas là. La technique, elle n'est pas là. La technique, c'est d'arriver à susciter une réponse de la rythmique par son silence. Vous voyez, faites une interruption. Tweet-up, petit cœur. La batterie répond ça, la basse répond ça, le piano, et vous répondez. C'est une interaction qui va fonctionner. C'est dans le dialogue que le jazz improvisé fonctionne. Maintenant, vous pouvez vous amuser à tous y aller à fond. Ouais, c'est un effet rigolo, c'est un effet. Ça ne peut pas être ça tout le temps. Moi, je m'ennuie. Mais après, les goûts, les couleurs. Il parle de boogie, ouais. Bah oui, alors le boogie, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Le boogie, c'est un continuum. Mais pourquoi? Parce que c'est un style
qui est fait pour ça. C'est le train. On voyageait, les mecs, ils avaient même pas de quoi payer le billet de train pour remonter, bosser dans les usines de bagnoles de Détroit. Alors, ils étaient accrochés aux attelages, ils entendaient « Vodum, 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 vodum » pendant des heures. Et à la fin, ils jouaient ça. « Vodum, 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 vodum » ou alors on est dans le train, c'est le moyen de transport. Bonhomme, 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 bonhomme. Et c'est en plus une manière de se remonter le moral une fois arrivé à Détroit, en habitant dans un taudis, aller bosser à l'usine 8 heures par jour, mal payé. Bah, il fallait se remonter le moral, ils avaient un blues plutôt désastreux. Ils jouaient du boogie, ils faisaient des soirées boogie pour aller, remonter l'énergie, le moral des gens. Et les mecs qui faisaient ça, ils avaient des mains en forme de gourdin, quoi. C'est extrêmement fatigant, extrêmement bavard. Et effectivement, au-dessus, on fait des choses rythmiques, plutôt aérées, voire plus... Alors c'est une explosion, c'est une foison de trucs qui vous arrive dedans, et c'est vrai que ça a un effet ravigotant. Hein, c'est un autre style de musique, voilà. Mais c'est sympa. Mais n'attaquez pas le boogie-boogie avant d'avoir un sacré niveau et une sacrée relaxation de main gauche, sinon vous allez tout bloquer, tout casser, vous allez arrêter le piano. Si vous travaillez tétanisé, ça, tôt ou tard, it's the end. Donc il faut attendre d'avoir du temps pour le faire. Don, étant à la retraite, 20 minutes c'est trop court. Ah bah si t'es à la retraite, tu peux, t'as tout le temps que tu veux. Alors si t'as le temps, bah tu fais très cool. Tu travailles très lentement. Vous savez, c'est un avantage hein, d'avoir du temps, parce que du coup, on peut se permettre. Vous allez rigoler, mais. Tiens, je vais vous faire une pratique métronome lent comme je l'entends sur un Anatole. Je vais vous dire au revoir en musique avec le générique. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi aussi, j'étais content. C'était super. Je vous dis à la prochaine fois. Tous ces principes que je vous ai énoncés depuis le début, je vais m'employer maintenant.
à vous les faire travailler au piano, à les mettre en pratique, à passer à l'acte. Au sens positif du terme, bien entendu, on est pour des brutes. Attends. Allez, à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao, bon week-end, profitez du beau temps. Salut.